l'auteur Tenpa Gyaltsen nous offre un peu de poésie et nous présente son recueil intitulé « Dans ta poésie », publié chez Coédition. Originaire de Bordeaux, l'auteur grandit dans une commune cosmopolite des Alpes-Maritimes jusqu'à ses 21 ans. Il exerce plusieurs métiers saisonniers qui lui permettent de rencontrer, voyager, découvrir, partager, s'adapter et apprendre. Au cours de l'un de ses voyages, un lama lui donnera le nom d'étendard de l'enseignement. Le recueil « Poésie » se résume à un jour, une rencontre avec cet homme. Puis après avoir écouté cette simple phrase, « Vis en 4x4 et transmets !» Une aventure intérieure et extérieure profonde s'est mise en route. Et parmi les retours lecteurs, impossible de rester indifférent à ces écrits qui se dégustent l'un après l'autre, nécessitant une pause entre chacun. Lire et relire, méditer, se laisser interpeller par les vers parsemés de jeux de mots qui intriguent et poussent à la réflexion. Pas de leçons de morale, mais des réflexions sur la vie, son sens, laissant libre le lecteur de les interpréter à sa manière et de se les approprier. Un livre à garder sur la table de chevet pour y revenir lorsque le besoin s'en fait sentir, s'en infuser, y trouver à chaque fois de nouvelles perles. Merci, Tenpa Gyaltsen. À quand le prochain? Et tout de suite, on écoute quelques extraits. DLC. Date limite de consommation. Parce que tout a une fin. Se contenter dans l'action, la foi notre seul terrain. Préjudice dans la raison, sans savoir où est notre frein. Consommer est une attention, trop le faire est notre chagrin. Durée limite de conservation, parce que le temps du partage, être le reflet de nos actions, puis le miroir de notre passage. Être en état d'observation, sans laisser mûrir le mauvais présage. S'arrêter comme une conversation, briller tel l'éclair d'un orage. Domination large du cœur, parce que lui connaît les directions. Il sait prendre de l'ampleur et nous offrir son affection. Sentir toute sa chaleur, sa grâce donnée sans modération. Pas plus simple comme valeur, vivre au rythme de son attention. Dans la consommation, le mal-être a ses raisons. Être dans la droite position, afin d'éviter toute déception. Puise dans ta propre version. Là est la seule illumination. Consomme-la à profusion, là où la vie est sans prétention. Le sommeil prochain. À l'arrache, par la bêche, c'est ainsi que nous semons. Ce qu'on cache, ce qu'on prêche, c'est ce à quoi nous aspirons. Comme un apache sans flèche, un cambrioleur sans maison. Par la marche, fait une sèche pour de nouveaux horizons. À l'instar du soleil, chacun de nous peut éblouir. Le pouvoir est pareil, le rayonnement de se réjouir. Une lumière sans conseil, le moyen de s'épanouir. Le cœur sans sommeil, l'obscurité de s'évanouir. Tout comme les étoiles, dans nos corps une âme attend. Notre chemin comme gasoil, au fond ce qu'on entend. Comment mettre les voiles, vivre ce à quoi on prétend. Notre lumière se dévoile, là où la vie se détend. Dans la nuit, cette lune, l'influence de demain, nous apporte nos lacunes, façonne l'être humain. Devenant notre fortune à l'aide de nos deux mains, une belle lagune jusqu'au sommeil prochain. Soldat de sa vie. Aspirer à la vie, le noble combat de tous les jours, sans tomber dans l'oubli, le matériel vaut le détour. Savoir qui je suis, que je sois prête à mon tour, non pas que je fuis, juste à la recherche de mon parcours. Plus rechercher pour moins trouver est l'art du lâcher prise. Tomber pour mieux se relever, ainsi la leçon est apprise. Un de perdu, 10 de retrouvé, alors qu'on se l'autorise. Pour qui veut vivre en paix, les leçons doivent être conquises, les ressentis comme boussole interne aidant à nous diriger, avoir nos ancrages dans le sol est le seul moyen de nous ériger. Nos convictions souvent antivoles, parfois difficiles à jauger,
l'apprentissage du self-control, la nécessité de s'alléger. Toute victoire est acquise, mais juste le temps d'un instant. Ne pas rester sous son emprise, c'est un conseil aux apprenants. Toute volonté de maîtrise, c'est la souffrance du consultant. Voilà ce que réalise le soldat de sa vie, devient l'auto-exploitant.